Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 19 octobre, nous commémorons Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogg. Bonjour. Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogg étaient des missionnaires jésuites français qui ont consacré leur vie à évangéliser les peuples autochtones en Amérique du Nord. Ils ont été martyrisés pour leur foi. Jean de Brébeuf est né le 25 mars 1593 en Normandie, France. Il a été ordonné prêtre en 1622 et a ensuite été envoyé en mission en Nouvelle-France, l'actuel Canada, en 1625. Il a appris les langues des Hurons et des Iroquois pour pouvoir prêcher l'Évangile parmi eux. Malgré les défis et les dangers, il a continué son travail missionnaire avec dévouement. Isaac Jogg est né le 10 janvier 1607 dans l'Orléanais, en France. Il a été ordonné prêtre en 1636 et a également été envoyé en mission en Nouvelle-France. Isaac Jogg a été le premier prêtre à célébrer la messe sur le territoire de l'État de New York. Il a été capturé par des membres de la tribu Mohawk en 1642 et a enduré de terribles souffrances physiques avant d'être libéré en 1643. Malheureusement, en 1646, Isaac Jogg a été capturé à nouveau et cette fois-ci, il a été tué par les Mohawks. Jean de Brébeuf a également subi le martyre en 1649. Lui et son compagnon missionnaire, Gabriel Lallemand, ont été capturés et torturés à mort par les Iroquois. Voici une prière à Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogg. Ô Dieu, qui a couronné de la palme du martyre les bienheureux martyrs Jean de Brébeuf, Isaac Jogg et leurs compagnons, accorde-nous, s'il te plaît, par leur intercession, de vaincre tous les maux qui nous assaillent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Sainte Laura, Saint Philippe Howard. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.